Chez Léna, 7 ans, les concours de Minimis sont une histoire de famille. Depuis l'âge de 2 ans, elle défile sur les podiums de sa région, accompagnée de sa maman. Alors là, un concours qu'elle a fait aussi avec son frère, donc c'était passage en maillot de bain. Ici, c'était à Boulogne, il me semble, donc c'était en robe de soirée. Robe longue, coiffure et bijoux impeccables, Léna est prête pour le concours de Miss Sourire 2013 dans le Nord-Pas-de-Calais. Une région où ont lieu la moitié des concours de beauté pour enfants organisés en France. Tout l'après-midi, les fillettes défileront, sûres d'elles ou intimidées, elles seront notées sur leur tenue, leur beauté, leur sourire et leur coiffure. Des critères physiques uniquement qui sont loin de faire l'unanimité. Ces concours accusés d'hypersexualiser les fillettes sont même aujourd'hui menacés. Une loi pourrait bientôt les interdire. Déjà approuvé par le Sénat, le texte doit être débattu en janvier par l'Assemblée nationale. C'est un âge où on est encore dans la création des liens forts d'attachement et de décevoir ses parents, sa mère, ça peut avoir un impact quand on rate le concours. Je pense qu'une interdiction, c'est un message clair, parce que l'encadrement, ça supposerait de surveiller ce qui se passe dans chaque concours et du coup, on ne protège pas les enfants. Pour Léna et ses copines, c'est surtout un passe-temps comme un autre. Ici, contrairement aux États-Unis, le maquillage et les talons sont formellement interdits. C'est vrai que le modèle américain fait peur. Et oui, ça serait dangereux si ça arrivait en France. Mais c'est pour ça qu'il faut pas interdire, mais faire un règlement. Mais l'interdiction, c'est un peu débile à mon sens, vu que l'hypersexualité, il y en a vraiment partout, aussi bien aux écoles que dans les majorettes, dans la gym, la natation, il y a des petites en petite tenue. Ce jour-là, à Blandec, telle une vraie Miss, c'est Rose, 5 ans, qui repart avec écharpe et couronne. Une défaite un peu dure à avaler, mais qui n'empêchera pas Léna et sa maman de retenter leur chance.